Eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre soirée porte ouverte virtuelle. Je me présente Tommy Oliveira, agent de développement au service de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes. Je suis à l'admission, donc pour toutes les questions au niveau de l'inscription, je pourrai vous guider ce soir. Je suis accompagné également des trois directions de centre, donc Mme Sylvie Dupuis, directrice de l'École hôtelière de la Montérégie, Mme Marjorie Noël, directrice du Centre de formation professionnelle Charlotte-Tassé, et également M. Serge Caron, directeur du Centre de formation professionnelle Pierre Dupuis. Je vous explique un peu comment tout ça, toute la soirée va se dérouler. Donc, présentation de nos directions là, au niveau des trois centres. Par la suite, on aura également une période de questions auxquelles vous allez pouvoir y répondre. Vous n'oubliez pas également qu'à compter de 20 heures, il y aura la possibilité là, d'échanger avec nos enseignants. Donc, si vous avez des questions plus techniques par rapport à l'ensemble de nos programmes, nos enseignants seront disponibles de 20h à 21h. Et également, tous nos professionnels là, dans nos centres, agents de services sociaux, orthopédagogues, toutes les questions au niveau de l'aide financière aux études, ils seront également présents là, de 20h à 21h là, pour répondre à vos questions. Alors, bienvenue. Merci d'être là avec nous. Nous débutons sans tarder avec Mme Marjorie Noël, directrice du Centre de formation professionnelle Charlotte-Tassé. Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de vous prendre quelques minutes avec vous pour vous parler du Centre de formation professionnelle Charlotte-Tassé. Donc, ce merveilleux centre, et tout d'abord, j'aimerais vous partager qu'il est un centre qui est rempli d'humanité, donc humain. C'est un centre où les valeurs de travail d'équipe sont au rendez-vous. Et tous nos programmes valorisent extrêmement la collaboration. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos quatre programmes. Donc, santé, assistance et soins infirmiers. Donc, bien entendu, pour devenir infirmier ou infirmière auxiliaire. À quel endroit travaillent les infirmiers et infirmières auxiliaires? Donc, dans les centres hospitaliers, dans les centres d'hébergement, de soins de longue durée, les CHSLD. Les centres locaux, les services communautaires, CLSC, les cliniques médicales ou les centres de réhabilitation. Donc, qui correspondent dans le fond à être infirmier ou infirmière auxiliaire, donc des gens qui détiennent de l'autonomie, qui sont responsables, qui possèdent un esprit d'équipe, donc qui sait se faire rassurant, qui sait faire preuve d'empathie, qui est capable de faire preuve de vigilance, fiabilité et de tact. Donc, au terme de la formation, c'est une formation qui est de 1800 heures dans un programme d'une durée d'un an et demi. Donc, avec 840 heures en formation pratique, donc en milieu de travail directement. Au terme de cette formation, dans le fond, vous obtiendrez un type DEP, donc diplôme d'études professionnelles. Cette formation, dans le fond, elle va vous permettre de différencier tous les concepts de santé. Les maladies qui sont présentes dans cette formation. En plus de ça, vous allez pouvoir appliquer toutes les techniques que vous avez apprises là, durant votre formation et établir, bien entendu, toute la relation d'aide qui est importante là, dans le cadre de ce travail qui est vraiment d'actualité actuellement. Donc, notre deuxième programme à l'école Charlotte-Tassé, donc assistance à la personne en établissement à domicile. Donc, lorsque vous faites cette formation, vous devenez préposé aux personnes en établissement et à domicile. Vous allez travailler à quel endroit? Donc, vous pouvez travailler dans les centres hospitaliers, dans les centres d'hébergement de longue durée CHSLD, dans les centres psychiatriques ou les centres d'accueil. Donc, pour devenir préposé, c'est important d'avoir un bon jugement, un sens de la responsabilité et de l'organisation. Être patient, posséder une belle capacité d'écoute et une belle résistance au stress. C'est une formation de 870 heures avec 225 heures de formation pratique directement dans les milieux, échelonnée sur un peu moins d'un an pour obtenir également un diplôme de titre DEP, donc diplôme d'études professionnelles. Cette formation va également, là, comme la précédente, vous permettre de différencier tous les concepts de santé qui sont rattachés à ce métier. La relation d'aide prend énormément de place là, dans cette formation et également lorsque vous êtes auprès des personnes ayant des besoins. Ça va vous permettre également de travailler en équipe constamment et de communiquer, dans le fond, d'apprendre toutes les techniques de communication adéquates avec les patients, mais également leur famille.
Donc, le troisième programme du Centre de formation professionnelle Charlotte Tassé, entretien général d'immeubles. Un autre programme qui est très d'actualité avec ce que nous vivons présentement là, mondialement. Donc, pour devenir préposé à l'entretien d'immeubles, ouvrier ou ouvrière, entretien, concierge, surintendant ou surintendante. Donc, à quel endroit un préposé ayant fait la formation en entretien général d'immeubles peut travailler? Donc, dans tous les édifices publics, les centres commerciaux, les centres hospitaliers, les immeubles d'habitation, les institutions d'enseignement, les usines, les complexes hôteliers et bien d'autres. Donc, cette formation, c'est une autre formation, comme je vous disais tout à l'heure, qui est extrêmement valorisée par les employeurs actuellement, là, et c'est un grand besoin sur le marché du travail. Donc, tu fais preuve de débrouillardise, tu as le sens de la responsabilité, méthodique, tu as une rigueur au travail, un grand sens de l'autonomie, de l'entre-gens, tu aimes travailler avec le public. Tu as une bonne forme physique, une dextérité manuelle, bien, dans le fond, entretien général d'immeuble est une belle formation pour toi. C'est une formation d'une durée de 900 heures sur 8 mois, qui inclut également une période de stage de 2 semaines en entreprise pour obtenir un diplôme d'études professionnelles. Ce programme s'offre aussi avec des possibilités d'alternance travail-études. Le dernier programme du Centre de formation professionnelle Charlotte Tassé est hygiène et salubrité en milieu de soins. Donc, pour devenir préposé hygiène et salubrité, vous allez travailler dans les établissements hospitaliers, les milieux spécialisés comme les pharmacies, les laboratoires, toutes les unités de soins, dans le fond, spécialisées, CLSC, etc., sont des environnements de travail là, recherchés pour ce type de formation. C'est une formation d'une durée de 20 semaines, donc plus courte un peu que les autres. C'est une attestation d'études professionnelles. Elle compte également 525 heures de formation, incluant 90 heures dans le fond dans un milieu de stage pour la pratique. Cette formation te permet de développer tout l'esprit d'initiative, le sens de l'organisation et de la responsabilité, et surtout le travail d'équipe. Donc, j'espère que vous allez vous connecter au team de toute ma belle gang du Centre de formation professionnelle à 8 heures qui vont vraiment être présents pour répondre à vos questions, des questions plus en détail. Et ne vous gênez surtout pas pour nous écrire pendant l'événement live pour qu'on puisse également répondre à vos questions. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à M. Serge Caron, directeur du Centre de formation professionnelle Pierre Dupuis. Alors, bonsoir. Je me présente, Serge Caron, directeur du Centre de formation professionnelle Charlotte, Pierre Dupuis. Donc, je vais vous présenter, heureux de prendre du temps avec vous ce soir pour vous présenter notre centre. Pierre Dupuis est situé au coin des rues Roland-Terrien et Chemin du Tremblay à Longueuil. Nous avons également un deuxième pavillon au coin des rues Jacques-Cartier et Fernand-Lafontaine. Le CFP Pierre Dupuis est un des plus grands centres de formation professionnelle au Québec. Donc, nous offrons plus de 19 DEP et 6 ASP. Nous avons une équipe de près de 125 enseignants et enseignantes d'expérience qui sont issus des spécialités du milieu de l'industrie. Une équipe de professionnels et de soutien à l'écoute des besoins des élèves. Nous avons également une équipe de direction qui travaille en collaboration avec le personnel et les élèves. Également, on a des locaux et des ateliers qui sont équipés de matériel et d'outillage à la fine pointe. Des services à la communauté également sont offerts, particulièrement au niveau de nos formations en coiffure et esthétique. Également, pour certaines formations, les stages sont possibles en milieu de travail. Donc, je vais vous présenter l'ensemble des formations qu'on a. Donc, on en a plusieurs. Je vais y aller de façon sommaire, par pavillon, par département. Donc, nous allons commencer avec le pavillon des métiers de la construction. Le premier programme, donc briquetage et maçonnerie, qui est une formation de 900 heures, environ 9 mois, un horaire de jour de 8h à 15h30 en enseignement individualisé. Carrelage, une durée de 690 heures, environ 7 mois, un horaire de 8h à 15h30 en enseignement traditionnel. Charpenterie, menuiserie,
environ 13 mois de formation sur une durée de 1350 heures avec un horaire de jour de 8 h à 15 h 30 en enseignement traditionnel. Également, dessin de bâtiment d'une durée de 1800 heures sur une durée d'un an et demi environ, donc l'horaire de 8 h à 15 h 30. Toujours dans les métiers de la construction, nous avons également réfrigération qui est d'une durée de 1800 heures, environ un an et demi, un horaire de 8 h à 15 h 30 en enseignement traditionnel. Le programme d'électricité d'une durée de 1800 heures, environ 2 ans, horaire de jour de 7 h 30 à 14 h 30 et de soir de 15 h 45 à 21 h 45 en enseignement traditionnel. Nous avons gestion d'une entreprise de construction qui est une attestation spécialisation professionnelle d'une durée de 450 heures sur 4 mois avec un horaire de jour également et de soir ainsi que le samedi. Pour ce qui est du pavillon des arts et design, donc nous offrons le programme de décoration intérieure et présentation visuelle d'une durée de 1800 heures sur une durée environ d'un an et demi, un horaire de jour de 8 h à 15 h 30 en enseignement traditionnel. Le programme d'infographie d'une durée de 1800 heures, encore là un an et demi, un horaire de jour de 8 h à 15 h 30 en enseignement individualisé. Dans notre pavillon métallurgie, nous offrons le programme d'électromécanique de système automatisé qui est de 1800 heures sur un an et demi, horaire de jour de 7 h 30 à 14 h 30 et de soir de 15 h à 22 h en enseignement traditionnel. Nous avons soudage-montage un peu dans les mêmes conditions au niveau de l'horaire, de la durée, du nombre d'heures et technique d'usinage qui est d'une durée également de 1800 heures sur un an et demi, en horaire de jour de 8 heures à 15 h 30 en enseignement individualisé. Dans notre pavillon administration commerce et informatique, donc nous offrons la formation comptabilité de 1350 heures, qui est d'environ 14 mois sur un horaire de jour de 8 heures à 15 h 30 et de soir de 18 heures à 22 heures, du lundi au jeudi en enseignement individualisé. Secrétariat d'une durée de 1485 heures, environ une quinzaine de mois, donc un horaire de jour de 8 h à 15 h 30 et de soir de 18 h à 22 h du lundi au jeudi en enseignement individualisé. Conseil et vente voyage d'une durée de 1185 heures, environ une dizaine de mois, un horaire de 8 h à 15 h 30 en enseignement traditionnel. Et vente conseil, un programme de 900 heures de 9 mois environ, donc sur un horaire de jour de 8 h à 15 h 30 en enseignement traditionnel. Toujours dans le pavillon administration, commerce et informatique, nous avons l'ASP en représentation de 450 heures, environ 4 mois. Donc, horaire de jour de 8 h à 15 h 30 en enseignement traditionnel. Nous avons secrétariat médical et juridique, un ASP de 450 heures sur 4 mois. Donc, l'horaire de jour de 8 h à 15 h 30 en enseignement traditionnel. Lancement d'une entreprise, attestation également, d'une durée de 330 heures sur 3 mois, un horaire de jour de 8 h à 15 h 30 et de soir de 18 h à 22 h en enseignement individualisé. Nous avons également un DEP adjoint administratif qui combine comptabilité et secrétariat sur une durée de 2 ans, un horaire de jour de 8 h à 15 h 30 en enseignement individualisé. Nous avons également notre département coiffure et esthétique, donc le programme de coiffure qui est d'une durée de 1455 heures, environ 15 mois, donc un horaire de jour de 8 h à 15 h 30 en enseignement traditionnel. Le programme d'esthétique, d'une durée de 1305 heures, environ 14 mois, en horaire de 8 h à 15 h 30 en enseignement traditionnel. Donc, ça fait le tour de l'ensemble des programmes. On en a plusieurs. Donc là, pour vous parler de où on se situe, au niveau de l'accès au centre, ça se fait très facilement, donc entre 20 et 30 minutes du métro par la ligne 76, 161 et 417 du réseau de transport de Longueuil, pour ce qui est du pavillon qui se trouve justement dans le pavillon principal. Nous avons un deuxième pavillon, le 25-25 Fernand-Lafontaine, qui, par le métro encore là, 20 à 30 minutes pour se rendre et par la ligne 25. Les stationnements sont disponibles à l'arrière pour les deux établissements. Dans nos services complémentaires que nous offrons, nous avons une conseillère en orientation qui est là pour
accompagner nos élèves là, de façon spécialisée et orientante. On a une agente sociale qui offre ses services aux élèves en ce qui a trait principalement à persévérance scolaire, gestion du stress, difficultés personnelles, conciliation travail, études, famille, ce qui n'est pas nécessairement évident, gestion du budget également et beaucoup d'autres choses. Nous avons aussi deux techniciennes en éducation spécialisées qui sont là pour accompagner les élèves dans des moments un petit peu plus difficiles, dans gestion de conflits, résolution de problèmes, crise, de parler avec eux, de les accompagner dans l'atteinte des objectifs scolaires que les élèves se donnent dans leur vie scolaire en général. Nous avons un service d'orthopédagogie, donc pour on a une personne qui accompagne les élèves en difficulté ou en trouble d'apprentissage pendant leur parcours scolaire. Et également, on a dans notre personnel, on offre l'aide pour accompagner les élèves là, au niveau de l'aide financière aux études. Donc, si vous en avez besoin, on est là pour vous accompagner dans vos demandes. Autre service offert à Pierre-Dupuis, on a une coop, une coopérative étudiante qui vous permet d'acheter votre matériel scolaire sans avoir à vous présenter. La coop est membre du réseau des coopératives scolaires du Québec, donc ouvert tous les jours. Donc, vous y trouvez les manuels de cours, les uniformes. Donc, ça évite le déplacement pour aller chercher les effets scolaires un peu partout. Donc, on a ça, on a cette possibilité-là à notre centre. Également, on a le service alimentaire, donc le service de cafétéria est offert du lundi au vendredi. Nous servons les déjeuners et les dîners. Nous avons un bon inventaire de machines distributrices là, qui sont disposées un peu partout dans les différents pavillons. Donc, l'offre alimentaire est quand même intéressante. En ce qui a trait aux critères d'admission, donc à tout moment pendant l'année pour nos programmes d'enseignement individualisé, les gens peuvent s'inscrire au fur et à mesure. Donc, si on a de la place dans nos cours, dans nos groupes, il est possible d'intégrer ces formations-là. Par la suite, pour ce qui est des périodes d'inscription pour les programmes qui ne sont pas en enseignement individualisé, donc du 15 octobre au 15 novembre pour les programmes débutants à l'hiver et du 1er février au 1er mars pour les formations débutants à l'automne. Donc, vous avez à l'écran, si vous voulez vous inscrire dans un de nos programmes. Les critères d'admission pour la plupart des programmes, donc être âgé d'au moins 16 ans, détenir un diplôme d'études secondaires ou, selon le programme, c'est de détenir des préalables entre la troisième et la quatrième et la cinquième secondaire, tout dépendant du programme choisi. Nos frais pour la formation se situent environ là, aux alentours de 65 à 903 $ pour la durée complète du programme. Donc, nous travaillons actuellement là, à créer également des formules à distance pour certains de nos programmes, là, étant donné le contexte actuel. Donc, ça fait le tour. Je vous remercie de votre attention. Donc, au plaisir de vous retrouver. Je céderai la parole à Mme Sylvie Dupuis, directrice de l'École hôtelière de la Montérégie. Bonsoir tout le monde. Alors, il me fera plaisir de vous accompagner dans cette visite virtuelle de l'École hôtelière de la Montérégie. Nous avons des programmes dans le secteur de l'alimentation. Évidemment, c'est un secteur qui est un peu touché de ce temps-ci là, au niveau de la restauration, mais ça peut vous permettre d'améliorer vos compétences en retournant aux études dans ce contexte particulier ou cette pause forcée. Donc, pour notre centre, nous offrons 5 programmes menant une diplomation d'études professionnelles dans le domaine de l'alimentation, comme j'ai déjà nommé. On a en boulangerie, où c'est un programme qui est offert environ sur 8 mois. C'est une formation qui s'offre de jour ou de soir et c'est en enseignement individualisé. Et il y a aussi de l'alternance travail-études, donc vous pouvez étudier, aller faire des stages, revenir aux études, là, c'est incorporé dans votre plan de formation. On a un programme au niveau de la boucherie qui dure un an. C'est une formation de jour et là, c'est un enseignement plus magistral, plus traditionnel. On a également au niveau de la pâtisserie où c'est un peu plus qu'un an, un an et demi. Et il y a une formation de jour, on a des groupes de soir également. Encore là, ce sont des groupes fermés qui se suivent tout au long, donc un enseignement plus traditionnel. Ensuite, on a au niveau du service de restauration. Ça dure un an parce que c'est un programme qui se fait à 30 heures semaine. Donc, c'est une formation de jour et c'est un enseignement individualisé également. Et vous avez 4 moments dans l'année où vous pouvez entrer. Alors, au fur et à mesure qu'on a des inscriptions, on est en mesure de les inclure dans les programmes et vous avancez à votre rythme. Il y a une partie qui peut se faire en individualisé et même à distance. Au niveau de la cuisine, c'est un programme qui dure un an et demi. Formation de jour également et de soir. Enseignement plus traditionnel.
On a également, par la suite, quand vous avez complété des DEP, complété un DEP où vous avez de l'expérience au niveau du marché du travail, vous pouvez vous inscrire à des programmes menant une attestation de spécialisation professionnelle. Donc, on a deux programmes ici qui se nomment Cuisine du marché et Pâtisserie de restauration contemporaine. C'est une durée de 975 heures et c'est une formation de jour. Ici, là, vous voyez vraiment des œuvres que les élèves ont réalisées. On a aussi un lancement d'entreprise qui ressemble un peu au programme qui est offert au Centre de formation professionnelle Pierre Dupuis. Par contre, on lui donne une petite saveur alimentaire, si on veut. Donc, c'est vraiment plus spécialisé en termes de coaching et tout ça vers le secteur de l'entrepreneuriat au niveau alimentaire. Ça dure 330 heures et ça se donne en soirée les lundis et mercredis, donc de 18h à 22h. Ensuite, on a également le programme de sommellerie, qui est un programme qui dure 450 heures. C'est une formation de jour et ça peut se faire partiellement à distance. C'est le lundi, mardi et mercredi de 9h à 15h parce que souvent, c'est des gens qui sont déjà sur le marché du travail et qui veulent parfaire leur connaissance au niveau de la sommellerie. Donc, ça permet d'être à temps plein parce que vous êtes aux études 15 heures, mais en même temps de pouvoir travailler. Pour faire connaître notre centre, c'est une nouvelle école qui a ouvert ses portes en janvier 2019. Alors, on a une bonne offre de cours à la population. Seulement que pour la session d'automne, on avait une trentaine de cours qui étaient offerts. Alors, chaque année, à l'automne et à l'hiver, on offre des cours qui s'adressent à la population. Chacun des départements va vous proposer une offre et par la suite, qui sait, peut-être vous allez venir vous inscrire à nos fameux DEP. Vous aurez la chance d'être accompagné par des enseignants du centre pour ces cours à la population. Puis aussi, je dois vous dire que notre équipe enseignante au centre possède une expertise vraiment élevée dans le domaine, dans chacun de leurs secteurs. Quand les élèves produisent, font des choses au niveau de la pédagogie dans le cadre de leur cours, on a un comptoir des ventes qui s'appelle les fruits de la relève où les produits qui ont été préparés par les élèves sont mis à la disposition de la population. Alors, vous pouvez venir acheter ces produits-là du mardi au vendredi. Ça ouvre à 10 heures, mais il y a des heures différentes de fermeture. Donc, le mardi et mercredi, ça ferme à 17 heures, le jeudi à 19 heures et le vendredi à 18 heures. On a aussi le restaurant d'application pédagogique L'Ardoise. C'est un restaurant salle à manger qui permet à nos élèves de cuisine de vivre leur activité pédagogique dans un contexte quand même assez réel de restaurant et à nos élèves du service de la restauration de faire un service auprès d'une réelle clientèle. Malheureusement, en ce moment, étant donné qu'on est en zone rouge, les salles à manger sont fermées, mais sous peu, on pourra réouvrir notre restaurant et nous aurons le plaisir de vous accueillir. À travers notre projet éducatif, on a mis en place des projets pour favoriser le sentiment d'appartenance et de persévérance de nos élèves. On veut leur faire vivre des activités qui sont quand même connexes au secteur de l'alimentation. Alors, on a débuté un projet des ruches d'abeilles. D'ailleurs, on va extraire le miel demain, mercredi, et vous serez en mesure soit de goûter à ce miel-là à travers nos recettes ou au comptoir des ventes sous forme de pots qui seront en vente. Nous avons également un projet de jardin pour faire vivre aux élèves de la terre jusqu'à l'assiette, comment on est capable d'être presque autosuffisant. Alors, on a eu une belle récolte cet automne au niveau de notre première année pour le jardin. Nous avons fait l'acquisition également d'un camion. Le but, c'est d'en faire un food truck. Alors, à gauche, c'est ce qu'on espère avoir à l'intérieur de ce camion-là. Donc, c'est un projet en construction. Le but, c'est que chacun des départements puisse y vivre des activités pour se rapprocher de vous, de la population, des élèves du secondaire, pour bien se faire connaître et que vous ayez vraiment l'expérience client de nos programmes. Nos élèves ont également l'opportunité de participer aux Olympiades des métiers. D'ailleurs, on a deux participants dans le secteur pâtisserie, département pâtisserie et cuisine, qui auront la chance de participer en mai 2021 aux Olympiades provinciales des métiers. On a des entraîneurs à l'interne qui les coachent, qui les entraînent pour pouvoir remporter des prix. Ce que vous voyez ici sur la photo, ce sont des bannières qui ont été rapportées par les années passées. Quand le département, quand le centre se nommait le centre de formation professionnelle Jacques Rousseau, il était situé à côté de l'école Jacques Rousseau derrière le cégep. Depuis, on a exporté juste le meilleur. On a tout amené dans notre nouvelle bâtisse. Alors, ce sont les mêmes programmes, mais avec des équipements à la haute pointe de la technologie.
L'accès à l'EHM, on a un stationnement gratuit, donc vous pouvez y accéder en auto facilement. Il y a le train qui n'est pas loin avec le stationnement incitatif et l'autobus du réseau de transport de Longueuil. Nous sommes situés à côté de l'aéroport. Vous pourriez toujours venir en hélicoptère ou en avion, si le cœur vous en dit, mais c'est un peu moins fréquent que les gens se rendent à notre centre de cette façon. Au niveau des services qu'on offre à nos élèves, nous avons un service d'orthopédagogie. En quoi ça consiste? C'est d'offrir un soutien et un accompagnement pour les élèves qui présentent des difficultés ou des troubles d'apprentissage. Il y a aussi un soutien conseil aux enseignants. On met en place des mesures adaptatives pour être en mesure de vous accompagner jusqu'au bout de votre parcours. On fait des visites de l'école et vous pouvez vous inscrire également à Élèves d'un jour pour participer à nos programmes pour voir si vraiment ça vous intéresse de vous inscrire. Il y a aussi des conseils au niveau de l'aide financière aux études et on fait l'élaboration d'un plan d'aide à l'apprentissage, un peu comme au secteur jeune, vous avez accès à un plan d'intervention. L'autre service, c'est au niveau de l'agente de service social. Cette dernière offre un soutien et un accompagnement psychosocial pour les élèves de l'école. Elle peut aussi donner des ressources et des références. En fait, elle va créer un filet de sécurité pour assurer que vous êtes réceptif aux apprentissages qu'on vous offre pour vous permettre de vous rendre jusqu'à la fin de votre parcours. Au niveau de l'inscription et des critères d'admission, ce sont les mêmes critères que mon collègue M. Caron vous a partagé un peu plus tôt. Donc, pour les programmes qui sont en entrée continue au cours de l'année, il y a des dates où on peut s'inscrire. Pour ceux qui ont des sessions, alors la session d'hiver, on a jusqu'au 15 novembre pour s'inscrire. Pour la session automne, jusqu'au 1er mars pour s'inscrire. Vous pouvez vous inscrire au site internet admissionfp.com. Vous devez être âgé d'au moins 16 ans et en général, détenir un diplôme d'études secondaires, mais dans certains programmes, vous pouvez avoir les préalables de la troisième secondaire. Alors, ça fait le tour de la présentation. Vous voyez où on est situé, comme je disais tantôt, à côté de l'aéroport de Montréal, de Saint-Hubert, Longueuil. Donc, je vous invite à aller voir l'équipe enseignante qui auront un lien Teams pour chacun des programmes qui pourront répondre de façon plus spécifique à vos questions et vous allez pouvoir échanger avec ces vrais passionnés de leur métier. Alors, je passe la parole à Tommy pour la période de questions. Bien, merci à vous. Super présentation. Donc, je vous rappelle quelques petits détails là, qu'on a précisés en début de présentation. Évidemment, porte ouverte virtuelle, vous avez des vidéos sur l'ensemble de nos programmes sur la page là, de la Commission scolaire Marie-Victorin, section formation professionnelle. Donc, des vidéos, la description de l'ensemble de nos programmes également, auxquels vous pouvez consulter. Notre service d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement également là pour vous accompagner par rapport à l'inscription, par rapport aux documents à fournir, par rapport à des préalables manquants, que vous ayez besoin d'aller à l'éducation des adultes, compléter là, ce que vous avez besoin, il n'y a aucun problème, on est là pour vous accompagner dans tout ça. Toujours, évidemment, l'inscription sur la plateforme Admission FP. La nouveauté, vous pouvez numériser les différents documents exigés là, pour votre inscription, que ce soit un relevé d'apprentissage, un certificat de naissance, des documents comme ceux-là là, auxquels vous pouvez évidemment là, déposer sur Admission FP. Je vous rappelle aussi qu'à compter de 20 heures, nos enseignants, l'ensemble de nos enseignants seront disponibles également via Teams. Donc, vous pourrez aller à ce moment-là les consulter, échanger avec eux, poser vos questions. Et également, nos professionnels seront présents pour l'aide financière, l'autopédagogie, les agents de services sociaux. N'hésitez pas également à prendre un peu de temps avec vous concernant tout ça. Alors, de notre côté, on prend quelques minutes, on va prendre le temps de lire vos questions et par la suite, là, on va vous revenir là, avec des précisions par rapport à tout ça. Merci à vous.
Alors, merci à vous pour votre patience. Donc, on commence déjà à répondre à quelques questions. Une première question, on nous demande s'il est possible de s'inscrire alors qu'on a seulement 15 ans là, d'ici la fin de son secondaire. Évidemment, on a mentionné tantôt le 16 ans au 30 septembre. Par contre, quelqu'un qui terminerait son diplôme d'études secondaires se retrouve dans une particularité, une situation exceptionnelle. Donc, il serait possible, parce que la personne a son diplôme d'études secondaires, de pouvoir s'inscrire. Donc, à ce niveau-là, là, il n'y a aucun problème. Et évidemment, s'il y a des précisions, je vous invite là, à consulter votre conseiller ou conseillère d'orientation de votre école respective. Là. Il pourra également vous guider à ce propos-là. Plusieurs questions au niveau d'élèves d'un jour. Donc, vous savez, évidemment, dans le contexte actuel de la pandémie, et c'est un peu difficile. Par contre, je vous invite à communiquer avec nos centres. Donc, si par exemple, c'est en boucherie de détail, évidemment avec l'école hôtelière, si c'est un programme de Pierre Dupuis, de communiquer avec le centre de formation professionnelle Pierre Dupuis, on a des gens là, qui sont présents et disponibles pour valider avec vous si c'est faisable, à quel moment, quelle journée, quelle période, évidemment, ça peut se faire comme participation là, à notre activité élève d'un jour. Je reviens à la période d'inscription. Il y avait une question à ce niveau-là. Donc, on vous rappelle qu'actuellement, du 15 octobre au 15 novembre, c'est pour nos programmes qui débutent cet hiver. Quand je parle de cet hiver, là, c'est à compter de février. Et à compter du 1er février au 1er mars, donc là, c'est notre prochaine période d'inscription pour tous nos programmes de l'automne. Et à ne pas oublier qu'on a plusieurs programmes là, en entrée continue. Donc, vous pouvez vous inscrire là, en tout temps. Et on a plusieurs entrées là, durant l'année auxquelles on peut vous accueillir à ce moment-là. Alors, on a une question ici. Quel programme l'École hôtelière de la Montérégie aura? Alors, nous avons déjà 5 programmes pour les DEP. Je ne referai pas tous les programmes, mais simplement vous dire, on a boulangerie, boucherie, cuisine, pâtisserie, service de restauration et on a des attestations spécialisées. Alors, je vous invite à aller voir sur notre site Internet également, mais sur la page d'accueil, vous avez tous les programmes qui sont là avec les liens pour pouvoir discuter avec les enseignants. Donc, vous pourrez retourner sur cette page-là du début. Ensuite, est-ce qu'il y a quelqu'un de mes collègues qui avait des questions? Alors, une autre petite question concernant les préalables scolaires. Quels sont les programmes qui me sont accessibles avec un troisième secondaire? Donc, au Centre de formation professionnelle Charlotte-Tassé, vous avez le programme d'entretien général d'immeubles et le programme d'assistance à la personne en établissement et à domicile. Par la suite, au Centre de formation professionnelle Pierre-Dupuis, vous avez accès au programme de briquetage-maçonnerie, le programme de carrelage également vous est accessible. Et à l'École hôtelière de la Montérégie, là, vous avez le programme de boucherie de détail, le programme de boulangerie et le programme de service de la restauration. Évidemment, ne pas oublier que le troisième secondaire, donc en français, mathématiques, en anglais, et également là, le 16 ans au 30 septembre, qu'il faut retenir là, à ce niveau-là. On a une petite question au niveau d'une autre formation en mécanique automobile. Donc, on a près de 40 programmes. Malheureusement, ce programme-là n'est pas offert chez nous. Par contre, notre service d'accueil, de référence, de conseil d'accompagnement, je vous invite à communiquer avec nous. On a des conseillers d'orientation. On va prendre le temps qu'il faut pour vous accompagner, valider avec vous là, le bon programme, à quel endroit ça se donne et vous accompagner également au niveau de l'inscription pour votre programme en mécanique automobile.
On a également une question concernant le programme d'adjoint-adjointe administrative. Donc, la question était, bon, une personne qui travaille 30 heures par semaine, est-ce que la formation est en ligne? Donc, présentement, la formation, il n'est pas possible de suivre la formation en ligne, mais nous sommes à travailler présentement à développer une offre de formation qui va pouvoir se vivre en ligne, mais pas pour l'instant. Donc, je vous rappelle que cette formation-là est une formation qui combine deux DEP, c'est-à-dire comptabilité et secrétariat. Et je vous rappelle que l'horaire était de jour de 8h à 15h30. Donc, il est évident que si vous êtes en mesure de travailler sur un horaire de soir, il est possible de suivre la formation de jour de 8h à 15h30 sans problème. Alors, on a une question au sujet des étudiants internationaux. Oui, les étudiants internationaux peuvent s'inscrire à l'Institut hôtelier. La difficulté en ce moment, c'est que les frontières sont fermées pour l'instant, mais vous pouvez vous inscrire à partir de admissionfp.com et quelqu'un pourra vous donner les détails des documents que ça vous prend et des démarches à faire. Ensuite, on nous demande qu'est-ce que l'enseignement individualisé et ça prend quelle forme. Alors, tout dépend des départements. Si on parle de services à la restauration, au niveau des serveurs, c'est des modules qui ont été faits. Alors, vous pouvez avancer les modules à votre rythme. Il y a des quiz, des exercices. Si on regarde en sommellerie, on utilise la plateforme qui s'appelle Moodle. Alors, sur Moodle, vous avez les informations avec des quiz, des tests. Donc, c'est un peu plus individualisé, mais vous avez quand même un temps à respecter sur la durée de votre formation. Alors, puis quand on embarque dans les cours, il y a 4 entrées ou des fois 3 entrées dans l'année. Alors, l'enseignant va enseigner à 3 niveaux différents selon où vous êtes rendu. Mais après, dans la mise en pratique, exemple dans le service de restauration, rendu à l'ardoise, bien, chacun va avoir des tâches au niveau où il est rendu dans sa démarche pédagogique. Une question également sur la formation en électromécanique de système automatisé. Donc, un petit peu comme l'adjointe administrative ou l'adjoint administratif, le cours est possible, il se donne de jour et de soir. Donc, de jour de 7h30 à 14h30 et de soir de 15h à 22h. Donc, si vous travaillez de jour ou de soir, il est possible de vous inscrire à cette formation-là sans problème.
Bonjour tout le monde. Alors, on a une personne qui nous questionne sur la durée, dans le fond, pour la formation infirmière auxiliaire. Donc, c'est une formation de 1800 heures. C'est échelonné sur un an et demi. Cette formation-là, dans le fond, il y a 840 heures quand même sur les 1800 qui sont de la formation pratique en milieu de travail. Donc, tout au long de la formation, il y a de l'alternance, là, il y a certaines compétences où vous allez vous rendre en stage directement dans les milieux. Hôpitaux, CHSLD, et vous allez revenir avec de la formation théorique au centre pour plus tard dans la formation retourner faire des heures là, dans les milieux. Donc voilà pour. Et c'est une formation qui s'offre de jour et de soir. Il y a les deux périodes d'inscription que Tommy vous a expliqué tout à l'heure, mais il y a également des ouvertures de groupe en cours d'année. Donc vous pouvez vous inscrire là, tout au long de l'année. On fait de l'intégration des fois dans certains groupes où il reste des petites places. Donc voilà pour cette question. Il y a quelqu'un qui nous questionne concernant les portes ouvertes. Donc, vous la vivez présentement. C'est la version 2020 à distance. Donc, vous assistez présentement à l'événement en direct avec les présentations des trois directions. La période de questions pour laquelle nous vivons présentement là, les dernières minutes. Et dans quelques minutes, dans 12 minutes environ, toutes les teams, les événements en direct vont se dérouler avec nos spécialistes, nos enseignants, de chacun de nos centres de formation professionnelle pour tous nos programmes et également pour chacun des centres, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, des gens des services complémentaires, puisque nous sommes chanceux au service scolaire Marie-Victorin à l'AFP. On a beaucoup de services complémentaires là, dans nos centres. Donc, voilà. Question ici concernant une inscription au programme d'assistance à la personne et établissement de santé, donc avec en attente d'une évaluation comparative. Écoutez, il est possible, là, on a plusieurs documents scolaires qu'on peut accepter là, de différents pays, qu'on accepte, qu'on analyse, qu'on prend le temps de regarder. Peut-être que l'évaluation comparative n'est pas nécessaire, donc on peut prendre le temps de regarder ça. Et si à ce moment-là, les préalables ne sont pas suffisants, il y a toujours des alternatives comme l'attestation d'équivalence d'un niveau secondaire, le test de développement général et des préalables spécifiques. Donc, encore une fois, notre SARCA, service d'accueil, référence, conseil et accompagnement. On vous réfère, on vous accompagne soit à l'éducation des adultes, vous êtes en voie de réussite, donc toujours dans une optique de débuter cet hiver ou à l'automne prochain, là, il y a moyen d'aller chercher là, les préalables manquants et pouvoir à ce moment-là débuter la formation avec nous. Donc, on a une question au niveau de la charpenterie, menuiserie, donc les groupes qui ne sont pas ouverts là, pour l'hiver. Donc, étant donné le contexte de la COVID-19, ça amène un report. On a décalé l'ouverture des groupes, ce qui fait en sorte qu'on ne pourra pas ouvrir à l'hiver. Mais au fur et à mesure là, que les formations vont se poursuivre, là, on va reprendre le cours normal. Autre question aussi, je reviens à une question dans pour le programme d'adjoint administratif. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que c'était une formation de jour, donc il est possible de suivre la formation également de soir. Donc, je vous disais tantôt que la formation se fait, deux DEP qui sont faits dans cette formation-là, en comptabilité et en secrétariat. Et pour les deux, je vais vous rappeler l'horaire. Donc, l'horaire de jour de 8h à 15h30 pour ces deux formations-là, pour ces deux DEP-là. Et il est possible de le faire de 18h à 22h. Du lundi au jeudi, donc pour les gens qui travaillent de jour, sans problème, autant pour ceux qui travaillent de soir. Alors, on a la question ici, les cours de l'autre année sont-ils en ligne ou à domicile? Au niveau du programme, ce n'est pas précis, mais simplement vous nommez que depuis le 25 mai, nous sommes revenus dans nos centres parce qu'en formation professionnelle, c'est des compétences très techniques qui ne peuvent pas vraiment se réaliser à distance. Donc, la majorité de nos formations se déroulent dans les centres. Quand c'est possible de le faire à distance, il y a certaines particularités, certaines compétences, certains modules peuvent se donner à distance, mais règle générale, c'est en présentiel qu'on suit les cours. Et comme je disais, malgré la fermeture des écoles au printemps, nous avions eu l'opportunité de poursuivre dans les centres nos formations, surtout au niveau technique. Bon, écoutez, merci à vous. Il n'y a pas vraiment d'autres questions. Donc, je vous rappelle, il est 19h52 à compter de 20h.
toujours sur le site, le CSMV Marie-Victorin. Donc, vous cliquez sur la section formation professionnelle, nous visiter, porte ouverte. Vous avez les enseignants qui seront disponibles dans nos différents départements. Donc, n'hésitez pas, ils sont là pour vous guider dans toute cette réflexion-là de nos programmes. Vous pouvez même passer d'une rencontre à une autre rencontre. Donc, c'est de 8h à 9h. Nous avons également toute notre équipe de professionnels, agents de services sociaux, orthopédagogues, l'aide financière aux études, conseillers d'orientation disponibles également pour vous, pour répondre à vos questions. Je vous rappelle encore notre équipe SARCA, Service d'accueil, référence, conseil, accompagnement pour vos questions, d'autres précisions encore dans les prochains jours. N'hésitez pas, on demeure disponible pour vous accompagner, autant pour débuter votre formation cet hiver ou s'il le faut pour l'automne prochain. Donc, on vous remercie là, de votre temps, de votre présence avec nous ce soir. Ça nous fait grandement plaisir de vous accompagner dans cette nouvelle formule porte ouverte virtuelle. Et en se souhaitant à tous l'an prochain se revoir en vive personne sur place, tout le monde ensemble. Donc, je vous souhaite une belle soirée.